Amen. Ok, le titre de mon message de ce matin, vous le connaissez, vous l'avez sûrement vu. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Moi d'abord ». C'est-à-dire que moi, « moi ». Non, mais je n'ai pas dit « d'abord », j'ai dit « moi », virgule, « d'abord ». Dis à ton voisin, « moi d'abord ». Lui, « moi d'abord ». Retourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, « voisin ». C'est moi d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours dans notre série Fort, dis avec moi fort. C'est la vision de l'année 2022 et je vais avancer. Le Seigneur m'a parlé, m'a donné un message à vous transmettre et je crois que ce message nous fera du bien. Au cours de ce message, on va faire une étude de cas. On va étudier le cas de quelqu'un qui s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre, Simon avant, mais qui s'appelle l'apôtre Pierre. On va étudier le cas de l'apôtre Pierre ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Et on va voir une chose. C'est que lorsque vous allez regarder l'histoire de l'apôtre Pierre, vous allez remarquer quelque chose qui revient à chaque fois. Il y avait 120 disciples. Parmi les 120, il y avait 12 disciples. Et parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient encore un peu dans le cercle restreint. Dis-moi, le cercle restreint. Donc il y en avait 120. Parmi les 120, il y en avait les 12. Et parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient dans le cercle restreint. Et parmi les trois, on nomme Pierre, Jacques et Jean. Et parmi les trois, il y a quelqu'un qui ressort tout le temps du lot et son nom c'est Pierre. Dis avec moi, Pierre. Et on connaît tous un Pierre et il se peut que toi-même tu sois un Pierre parce qu'on a toujours un Pierre dans notre environnement lorsqu'il s'agit des choses de l'évangile. Lorsque vous regardez la vie de Pierre, vous allez voir que Pierre était celui qui était toujours prêt à aller à la castagne pour Jésus. Est-ce que tu as déjà remarqué ça ou pas? Je dis, est-ce que tu as remarqué ça ou pas? D'ailleurs, moi, je crois que Pierre, c'était un gangster. Oui, c'était un gangster parce que quelqu'un qui sort en couteau pour couper l'oreille de Malchus, il n'y a qu'un gangster pour faire ça, tu vois ou pas? C'est-à-dire que le gars avait les choses de la rue qui étaient encore là. C'est juste qu'il était avec Jésus qu'il essaie de contenir ça un peu, tu vois. Mais je crois que si tu sors en couteau comme ça, c'est que ma question, c'est depuis quand tu l'as avec toi? Est-ce que tu me suis ou pas? Si tu le sors au moment avant là que Jésus est mort, ça se trouve que depuis le début, en réalité, tu as le couteau. Et au cas où si on bien fait, hein? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Si Pierre était dans notre temps, il dit, moi, tout l'inficiemment, au cas où, rien savent. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Pierre était toujours celui qui avait envie d'aller de l'avant. Et lorsqu'on regarde, on regarde un peu l'histoire dans les évangiles, sous différents axes, on voit souvent que Pierre était celui qui prenait souvent les devants. Et on voit cette caractéristique de chez Pierre de moi d'abord. Dites-moi, moi d'abord. Lorsque Jésus était sur les eaux, il y avait la tempête et Jésus marchait sur les eaux, Jésus va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et la Bible va nous expliquer que Pierre va pouvoir marcher sur les eaux aussi. Ce qui nous montre encore une notion de moi d'abord. Dites-moi, moi d'abord. Et réellement, on voit que Pierre était celui qui avait le plus de fougue, le plus d'audace, le plus de courage pour pouvoir faire ce que Jésus lui demandait. Écoutez bien, vous allez regarder Pierre, analyser bien Pierre. Vous allez voir que c'est lui à chaque fois qui a les bonnes réponses. C'est comme le bon élève. Dites-moi, le bon élève. Il est là présent. Il veut participer au miracle. Il y a des miracles. Et Pierre a vu des choses que d'autres disciples n'ont pas vues. Pierre a expérimenté des choses que d'autres n'ont pas fait. Est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux avancer? Écoute, déjà lorsqu'il rencontre Jésus, voici ce qui se passe. C'est que le premier point qu'on peut voir ensemble, c'est que comme Pierre, toi aussi, tu peux vivre des miracles. Dis ça à ton voisin, tu peux vivre des miracles. Ok. La Bible dit, Luc chapitre 5, versets 4 à 8. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon donc est Pierre, Simon c'est Pierre qui était pêcheur. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ça veut dire qu'il y avait tellement de poissons. On remet le contexte. Pierre a passé toute sa nuit à pêcher. Il n'a tenu aucun poisson. Jésus arrive, il dit, « Ok, jetez le filet. » Ce que j'aime bien avec Pierre, c'est qu'il discute avec Jésus, mais ce n'est pas pour autant qu'il désobéit à Jésus. Quand je dis qu'il discute, c'est qu'il va dire à Jésus, « Nous avons péché quand même toute la nuit. » Mais il dit, « Sur la base de ta parole, je jetterai le filet. » Est-ce qu'on est ensemble? Donc on voit le point que Pierre était quelqu'un qui avait cette facilité à faire quoi? À pouvoir faire confiance. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus lui dit, « Jette le filet. » Il dit, « Sur la base de ta parole, alors je jetterai le filet. » Et on va voir que cette caractéristique de Pierre à faire confiance à Dieu dans ce qu'il dit est revenue bien souvent.
Et la Bible va nous expliquer qu'il va avoir tellement de poissons qu'il va devoir appeler les gens qui étaient à côté, les gens de l'autre barque, ses amis, de compagnons de l'autre barque, pour venir l'aider à récupérer les poissons parce qu'il y avait beaucoup trop de poissons. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 8, il dit, « Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. » Viens avec moi, tomba aux genoux de Jésus. « Et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et j'aimerais te dire ce matin que comme Pierre, tu peux vivre des miracles. Comme Pierre, tu peux voir de tes propres yeux des miracles. Comme Pierre, tu peux être participatif aux miracles que Dieu veut opérer. Parce que Dieu ne veut pas te garder en dehors des miracles. Dis ça à ton voisin. Écoute, Dieu ne veut pas seulement faire un miracle, il veut faire un miracle au travers de toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu ne veut pas être seulement celui qui agit. Dieu veut agir, mais au travers de toi. En fait, Dieu, c'est comme celui qui vient au restaurant avec toi. Jésus, il vient au restaurant avec toi. Et puis, tout le monde mange. Et à la fin, il te donne l'argent pour que toi, tu payes. C'est lui qui a l'argent, mais il te donne l'argent pour que toi, tu payes. Devant le caissier, ça passe comme si c'est toi qui as payé. Tu vois ou pas? Et donc, tu viens, tu donnes la carte bleue alors que c'est Jésus qui a payé. C'est-à-dire que c'est lui qui fait. Mais il permet que ce soit fait au travers de toi. Dis à ton voisin, tu vas vivre des miracles. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça veut dire que Pierre a vécu la pêche miraculeuse. Pierre a marché sur les eaux. Est-ce que toi, tu as déjà marché sur les eaux? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Pierre, même quand il ressort, j'imagine Pierre après la discussion avec les disciples, il dit, les gars, d'ailleurs, allez là, faut que respectez-moi. Parce que si la tenue est qui de mouni marcher sur les eaux, Jésus est moins. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, respect sur mon nom. Put some respect on my name. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'à part Jésus, c'est moi qui ai marché sur les eaux. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a marché sur les eaux, là, sans bateau. Il a marché sans bateau. Tu connais pas? Ton voisin ne connaît pas ça? Dis-lui, tu es chrétien depuis quand? On veut avancer? Ok. Deuxième point. Comme Pierre, tu peux tout quitter. Comme Pierre, tu peux tout quitter. Dis à ton voisin, comme Pierre, tu peux tout quitter. N'oublie pas, le thème de mon message, c'est moi d'abord. Regarde. Luc 18, 28. Tu peux même mettre au verset 27. Luc 18, 27. Luc 18, 27. Remonte juste au verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ok, avance. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. J'aime, parce que Pierre parle au nom de tous, mais ce n'est pas tous qui parlent, c'est Pierre qui parle. Tu revois encore la caractéristique que lorsque les disciples étaient rassemblés, c'était Pierre qui élevait d'abord la voix. Pierre était le Élie Domota de Nazareth. Je peux avancer? Donc dis à ton voisin, dis-lui voisin, comme Pierre, tu peux tout quitter et suivre Jésus. Dis-lui voisin, comme Pierre, je veux tout quitter et suivre Jésus. Il y a quelqu'un qui me dit, mais je ne vois pas le lien avec le titre du message. Dis-lui voisin, comme Pierre, tu peux tout quitter et suivre Jésus. Ça veut dire que Pierre, Jésus parle, hein, mais c'est Pierre qui met en avant d'abord. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Ça veut dire qu'au moment de pouvoir répliquer, c'est Pierre qui réplique le premier. Au moment de pouvoir parler, c'est Pierre qui parle le premier. Au moment de vivre les miracles, c'est Pierre qui le fait en premier. Est-ce que tu es là avec moi ou pas? Ok. Luc chapitre 9, verset 28. Luc 9, 28 à 30. Non, mais Luc 9, 20. Luc chapitre 9, verset 20. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Jésus se rassemble. Il est avec les disciples. Il dit, bon, j'entends beaucoup de rumeurs sur moi. Et qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et donc les uns parlent. On dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es un messager. Et là, Jésus va dire, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? J'aime bien, je peux ouvrir une parenthèse ou pas?
Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Jésus nous montre qu'au-delà des critiques qu'il peut entendre sur lui et des rumeurs qu'il entend sur lui, ce qui est important à savoir, c'est ce que les gens qui sont autour de toi disent que tu es. Il est important de savoir ceux qui sont autour de toi là, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de toi. Parce que les uns disent que tu es ça, les uns disent que tu es ceci, mais vous qui êtes autour de moi, qui dites-vous que je suis? Parce que vous êtes tous les jours avec moi, vous passez du temps tous les jours avec moi, vous me connaissez. Donc en fonction de ce que vous entendez dehors, vous, qui est-ce que vous dites que je suis? Et on voit encore une fois, qui est-ce qui répondit? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Il dit que tu es le Messie, le Mashiach. Dis avec moi, Pierre. Dis avec moi, hé, Pierre. Pierre, ça doit être le gars, tu sais, il y a toujours, dans le groupe, tu as toujours un gars comme ça, et tu as toujours l'ego un peu, elles sont fatiguées avec Pierre. C'est toujours, c'est toujours, tu vois de quel gars je parle ou pas? Le gars veut faire bien, mais après, oh là là. Pierre, monsieur, qui fatigué, mais Pierre vous fatigue pas? Il fait une réunion après. Pierre vous fatigue pas? Parce que monsieur, qui a pas l'enjeu trop, pas l'enjeu intimement. Je suis pas le temps de parler, monsieur, il a besoin de répondre. Tu connais un Pierre ou pas? Il y a qu'on m'a déjà vu. Il y a quelqu'un qui se sent concerné. Et donc, qu'est-ce que Pierre a vécu? La révélation. Dis à ton voisin, comme Pierre, tu peux avoir la révélation. Ça veut dire que comme Pierre, tu peux découvrir réellement qui est en face de toi. Tout le monde était avec Jésus, mais personne n'a découvert qui était Jésus comme Pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils marchent avec Jésus, mais ne savent pas qui est Jésus. Et parmi tous ceux qui marchent avec Jésus, Jean lui-même ne répond pas, alors que Jean était celui que Jésus aimait. La Bible dit Pierre aimait Jean, Pierre aimait Jésus, mais Jésus aimait Jean. Est-ce que tu me suis ou pas? Et donc, on s'attend des fois à ce que ce soit Jean qui réponde, mais ce n'est pas Jean qui répond, c'est Pierre qui répond et c'est Pierre qui a la révélation. Et Jésus va même dire, cette révélation que tu as reçue, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a donnée, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Pierre, encore une fois, devant tout le monde, on voit qu'il a comme une espèce de mise à part où il fait les choses avant tout le monde. Dis avec moi, moi d'abord. Dis avec moi, moi d'abord. Et donc, Pierre a la révélation avant tout le monde. Et la Bible va même dire que quand Pierre va donner la révélation, Jésus va les menacer sévèrement. Pas menacer, mais leur parler sévèrement pour leur dire de ne pas aller répéter ça aux autres autour d'eux. Ça veut dire que c'était une information capitale et Pierre était au courant. Dites-moi, hé Pierre, je peux avancer? Comme Pierre, tu peux voir Jésus de manière glorieuse. Comme Pierre, tu peux être privilégié. Luc chapitre 9, versets 28 à 30. C'est très important ce qu'on est en train de voir point par point. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui qui? Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour... C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui allait prier avec Jésus. Ok. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ça veut dire que là, on est en train de parler de la montagne de la transfiguration, le moment de la transfiguration. Et la Bible va dire, hein, voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Ça veut dire que Pierre, en plus de voir Jésus dans une forme glorieuse, Pierre va voir Moïse et Élie. Toi, tu as déjà vu Moïse et Élie? Tu as déjà vu Moïse et Élie? Bon, peut-être. Parce que je peux ouvrir une parenthèse. Tu es sûr que je peux y aller? Ma question, c'est si Moïse et Élie sont morts, pourquoi il peut les voir? Puisqu'on t'a toujours dit que ça, c'est les esprits des morts. Vous voulez que je pousse ou pas? Vous voulez que je pousse? Ok, ma question pour vous, c'est est-ce qu'ils sont réellement morts? Vous voulez que je pousse, hein? La Bible m'enseigne que Élie n'est pas mort. Élie a été emporté par Dieu. Et la Bible m'enseigne que quand Moïse meurt, Satan se dispute avec l'ange Michael, le corps de Moïse. Ça veut dire qu'il semblerait que Moïse... Bon, je vais refermer la parenthèse. Non, parce que si toi un jour Moïse vient dans ta chambre et te dit « Je suis Moïse », tu vas dire que « Ah! Satan! Retire-moi de toi, Satan, car il est écrit. Tombez, diable! » Ouh! Où est-ce que Satan fait?
Si vous voyez un loup raou sous moi. Ok. Et donc, Pierre, dis avec moi, Pierre. Moi, j'aurais aimé mettre un Pierre quand même. Parce que regarde, jusqu'ici, on cite beaucoup de miracles et c'est Pierre qui les vit. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc, Pierre amena la montagne de la transfiguration. Je ne sais pas si tu te rends compte. Déjà, avoir vu Jésus, c'est déjà une bonne chose. Mais avoir vu Jésus à la montagne de la transfiguration, à discuter avec Moïse et Élie, en train de prendre le café ensemble, c'est autre chose, c'est un autre niveau. J'aurais aimé être comme Pierre pour pouvoir voir ça. Et c'est là où tu regardes encore que Pierre avait ce truc de « moi d'abord ». Pierre était toujours en avant, toujours à faire ce qu'il devait faire. Luc 8, 51. Luc 8, 51, on va lire. Luc 8, 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, c'était pour ressusciter, je crois, la fille de Jaïrus, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean, et à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Ça veut dire que Jésus est sur le point d'accomplir un miracle. Il privilégie encore des personnes. Qui? Pierre, Jean et Jacques. Donc on voit que Jean et Jacques sont quand même des fois un peu là avec Pierre, mais celui qui est souvent en avant, c'est Pierre. Dis avec moi, Pierre. Et donc, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça peut créer dans le cœur des autres disciples. Ils sont tous en train de suivre Jésus. Et écoute-moi bien, depuis le départ, il y a un nombre constant de 120 personnes qui ont toujours suivi Jésus. Parce qu'au moment où Judas se suicide, on dit « cherchons un homme qui était là avec nous depuis le départ ». Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient fidèlement là avec Jésus depuis le départ. Et au moment de rentrer dans le miracle, il dit « bon, vous restez à l'extérieur, suivez-moi, Pierre, Jean et Jacques ». Donc les gens vont se dire « mais il y a un problème avec Pierre ». À chaque fois c'est Pierre. J'imagine qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas Pierre dans leur groupe. Quelqu'un comme Thomas sûrement. Tu vois? Oui, ça ressemble à Thomas. On peut avancer? Donc dis à ton voisin, tu peux être privilégié. Dis-lui, tu peux être privilégié. Et dis-lui, moi, d'abord. Dis-lui, voisin, moi, d'abord. Je dois regarder. Dis-lui, c'est moi, d'abord. Je dois vivre des miracles. Moi, d'abord. Mais, voilà. Toutes ces choses ne sont pas le signe que tu es converti. Ok, reprenons ensemble. Pierre voit des miracles. Pierre marche sur l'eau. Pierre a la pêche miraculeuse. Il va à la montagne de la transfiguration. Il est emmené seul dans la chambre avec la fille de Jaïrus pour la ressusciter. Pierre voit le visage de Dieu de manière glorieuse. Il voit Moïse. Il voit Élie. Ça veut dire qu'il a des visions. Si tu avais quelqu'un comme Pierre dans ton entourage, toi-même tu serais intimidé. Parce que tu dirais, waouh, mais comment Pierre fait pour avoir autant de choses? Donc Pierre a des miracles. Pierre sait qui est Christ. Il a la révélation. On est tous avec Jésus, mais on ne savait pas que Jésus c'était le Machia. Pierre vit de grandes choses. Mais malgré tout ça, voici ce que Jésus va lui dire. Luc 22, 32. Mais, il dit, Satan t'a réclamé afin de vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, dis ça à ton voisin, quand tu seras converti. Ok, ici là dans le Luc chapitre 22, on est déjà arrivé à la fin de l'histoire de Jésus. Vers les versets 40, on dit qu'ils viennent chercher Jésus, 50, c'est là, 60, c'est là où Pierre renie Jésus. Ça veut dire qu'on est déjà à la fin. Ça fait déjà près de 3 ans avec Jésus. Dis avec moi, près de 3 ans. Donc près de 3 ans, Jésus arrive et dit à Pierre, yeux dans les yeux, quand tu seras converti, ça veut dire qu'il ne lui dit pas que tu es converti, fais. Il dit, quand tu seras converti. Ça veut dire qu'à l'heure où il parle à Pierre, Pierre n'est même pas converti. Ça veut dire que tu peux vivre des miracles. Tu peux vivre des prodiges, tu peux vivre de grandes choses, tu peux vivre des révélations, tu peux avoir des visions, mais tu n'es toujours pas encore converti. Ça veut dire que, en fait, le plus important pour Dieu, parce que tu vas me dire, pasteur, j'ai un appel, pasteur, je suis fort cette année,
J'ai des choses à accomplir avec Dieu. Parce que moi, je veux prêcher l'évangile. Mais j'aimerais te répondre ceci. Toi, d'abord. Tu veux prêcher l'évangile aux autres? Toi, d'abord. Tu veux faire des miracles? Toi, d'abord. Pourquoi? Premier point. Dieu ne changera pas ton appel. Dis ça à ton voisin. Il ne changera pas tes combats. Il te changera toi. Ah, est-ce que je peux pousser ou pas? Est-ce que je peux avancer ou pas? Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des situations où vous voyez que les choses sont difficiles. Et vous priez pour que Dieu change les circonstances sans penser que Dieu ne changera pas les circonstances, mais c'est vous qu'il changera. Parfois, ce n'est pas la situation que tu vis que Dieu va changer, c'est toi qu'il cherche à changer. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas converti, tu ne peux pas affermir les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, je suis venu parler à un chrétien qui veut aller plus loin avec Dieu, mais qui ne s'assure pas d'abord d'être converti au fond de lui pour aller plus loin avec Dieu. Parce que tu peux prêcher l'évangile, tu peux avoir beaucoup de connaissances, tu peux avoir beaucoup de révélations, mais quand on regarde ta vie, on ne voit pas réellement la conversion. Et je suis venu te dire ce matin, toi d'abord, tu veux gagner les âmes à Christ, toi assure-toi d'être réellement gagné à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, parce que Satan n'a rien de lui en moi. Des fois, tu veux prêcher l'évangile, mais est-ce qu'on t'a déjà assez prêché l'évangile? Oh, est-ce que je peux pousser ou pas? Je sens que tu ne m'as pas encore suivi. Je dis, tu veux prêcher l'évangile, mais est-ce qu'on t'a déjà, toi, assez prêché l'évangile? Tu veux transmettre aux gens la grâce de Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà reçu assez de grâce de Dieu? Regarde bien, avant que les disciples aillent prêcher l'évangile au-delà de la Galilée, il dit, restez d'abord dans la chambre haute et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce qui veut dire qu'en soi, tu ne peux donner, tu ne peux transmettre que ce que tu as reçu. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un ce matin, avant d'aller gagner le monde, moi, d'abord, que Dieu me gagne. Avant de vivre des miracles pour le monde, moi, d'abord, que Dieu me gagne. En fait, pour être fort, il faut commencer par être fort à l'intérieur, avant de pouvoir être fort à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a vécu des combats, et les combats de David, quand il est arrivé devant Goliath, David a eu de la facilité à vaincre Goliath, parce qu'il avait déjà vaincu l'ours et le lion dans le secret. Les combats du secret te révèlent pour les combats du public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas vouloir remporter de grandes batailles devant tout le monde si tu n'as pas remporté les batailles à l'intérieur de toi. Je dis cela pourquoi? Parce qu'en fait, je connais beaucoup de personnes qui veulent réellement servir Dieu, mais qui ne s'assurent pas, elles, d'abord, d'être touchées par Dieu. Des fois, tu veux... Ok, ce matin, mon message, il est très particulier. Parce que quand tu vas ressortir, tu vas faire une remise en question. C'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Est-ce que tu es réellement converti? Ok, me remets le verset quand Pierre dit, quand Jésus lui dit, quand tu seras converti, 22, ok, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi quand tu seras converti, demande à ton voisin, est-ce que tu es converti? Dis-lui, voisin, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Voisin, est-ce que tu es réellement converti? Et beaucoup d'entre nous, nous répondons à cette phrase comme Pierre a répondu à Jésus. Mais le verset suivant, verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je le disais, vous savez, les gens disent qu'ils veulent servir Dieu, mais ce n'est pas vrai. Les gens disent que j'ai un appel et que je veux me consacrer à Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu veux savoir où on sait que ce n'est pas vrai? Dans les petites choses que Dieu te demande, tu n'es même pas capable de les faire. Est-ce que Dieu va te confier de plus grandes choses? Des fois, juste lâcher ton petit copain avec qui tu vis l'impudicité, ou vais pas. Est-ce que tu penses que tu vas vivre plus? Oh, attends. Wesh là ton mot, Dieu. Oh, oui, c'est le protocole. Dès que ma pasteur... Je te pardonne. Ta petite copine, tu ne veux pas la quitter. Pourtant, ça ne t'amène pas dans les bonnes choses. Hein? Mais rien que ça, tu luttes et tu t'assois avec moi.
pasteur, je comprends. Hein? Je comprends que c'est pas la... Mais je... il prie avant de manger. Et pasteur, il m'aime. Je l'aime vraiment. Ok, moi je vais droit au but. Je dis, vous couchez ensemble? Non, on parle pas trop. Faut qu'on clôture le rendez-vous rapidement. Est-ce qu'elles ont été faites ensemble? C'est ça que je veux savoir direct. Non, parce que c'est bien de dire que oui, prie. Je veux savoir, est-ce que dans la pratico-pratique, c'est réellement ça? Après, tu connais la chair est faible, pasteur. Et je dis ça, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, hein, parce que les hommes, non, encore, sincèrement, franchement, je vais vous dire une chose, sincèrement, la plupart du temps que j'ai eu des hommes en rendez-vous, à qui on parlait des fois de relations, c'est eux qui étaient le plus prêts à quitter leur relation. Mesdames, laissez-moi vous dire une chose, on aime dire que les hommes ne se consacrent pas. La plupart des hommes que j'ai reçus en rendez-vous, quand je leur ai dit que ce n'est pas une bonne relation pour toi, ils m'ont dit, pasteur, alors je quitte. C'est toujours les femmes qui discutent avec moi là-dessus. Non, mais pasteur, je l'aime, il m'aime, on s'aime, c'est bien. Mais ça t'amène dans le péché. Si ça, tu n'es pas prêt à quitter ça là, est-ce que tu serais sûr que tu seras prêt à suivre Dieu là où il t'envoie? Si les petites instructions que Dieu te donne, parce que toi en fait, ce que tu as envie, c'est des grandes instructions. Mais sauf que les petites instructions, tu ne les suis pas. Alors est-ce que tu penses que Dieu va t'utiliser réellement? Avant de vouloir prêcher l'évangile à ton voisin, toi d'abord. C'est ça. En fait, quand vous êtes venu pour le message, vous pensez que ça allait être un message genre, moi d'abord, on laisse tomber les autres. Je regarde pour moi en 2022. Et en 2022, moi d'abord. Ouais, c'est ça, oui. Toi d'abord, convertis-toi. Toi d'abord, accepte Jésus dans ta vie. Toi d'abord, vis avec Christ. Ah, je vous ai eu là. Hein? Ah, voilà. Là, vous pensez que j'allais dire les haters de 2022, mets-les de côté, focalise-toi sur toi d'abord. Non. Toi d'abord, sois réellement chrétien. Pourquoi? Je le dis tout le temps. Je croise beaucoup de gens et j'aime dire ça. J'aime dire, tu peux connaître beaucoup de choses, avoir beaucoup de détails dans la révélation. Mais si tout ce que tu sais, je ne le vois pas en application de ta vie, alors ta connaissance est vaine. Ça me sert à quoi de connaître beaucoup de mystères, beaucoup de trucs, mais que ma vie même ne reflète pas la vie de Christ? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut vous rendre fort avant de rendre votre environnement fort. Dieu veut vous gagner avant de gagner votre environnement. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi. Votre mission, c'est de gagner le monde à Christ. Mais la mission de Dieu, c'est de vous gagner à lui. Et j'aime bien. Parce qu'entre le temps... Entre le temps où Jésus va venir vous parler pour vous donner l'appel et le temps où vous allez l'accomplir, il y a un temps où Jésus va chercher d'abord à gagner votre cœur. Et vous allez voir, hein, Jésus va poser cette question tout le temps. Il va dire, jusqu'à quand vous supporterez-je? Dis ça à ton voisin, dis-lui jusqu'à quand qu'est-ce qu'il porte? Dis ça à ton voisin, dis-lui jusqu'à quand, dis-moi jusqu'à quand. Jésus pose cette question parce que Jésus se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Et donc Jésus comprend qu'eux ne sont pas encore prêts pour faire ce qu'il doit faire. Et je disais ça lundi à l'enseignement. Je disais, le point qui fait que tu n'as pas encore accompli les prophéties et les promesses de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas encore devenu la personne qu'il faut pour vivre ces prophéties. Ce n'est pas que Dieu a menti sur les prophéties et les promesses qu'il t'a données, c'est que tu n'es pas encore devenu la personne qu'il faut. Abraham a reçu la promesse de Isaac. Mais tant que Abraham était toujours Abraham, Abraham n'aurait pas eu la promesse. C'est Abraham qui devait la recevoir. Des fois, Dieu veut d'abord te changer à l'intérieur de toi. Dieu veut d'abord être sûr qu'il t'a gagné. Je t'assure, il faut prêcher l'évangile, mais sois sûr d'être toi-même gagné à Christ. Pourquoi? Parce que tu risques d'être une occasion de chute pour les autres après. Pourquoi? Les gens vont dire, mais toi qui prêchais l'évangile, regarde-toi là où tu es aujourd'hui. Toi qui prêchais l'évangile, regarde dans quelle situation tu es. J'aimerais te dire une chose, je sais, hein, ça va te faire mal. Mais rappelle-toi de tous les gens à qui tu as prêché l'évangile et aujourd'hui, tu es dans la même chose que tu leur disais d'arrêter. Je vais prendre 2 minutes de silence. Rappelle-toi comment tu disais aux gens, non mais le Seigneur est bon. Accepte-le dans ta vie.
le Seigneur vraiment va, rappelle-toi de ça, hein? Parce que tu vas dire, non, tu ne dois pas vivre, c'est pas ce que Dieu veut pour toi, cette condition. Et regarde qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre ce que tu leur demandais eux-mêmes d'arrêter. En fait, chrétien, j'aimerais vous dire une chose. Je me suis rendu compte que personnellement, avant d'être un bon homme de Dieu, je dois m'assurer d'être un bon chrétien. Les bons chrétiens deviennent de bons serviteurs de Dieu. Les mauvais serviteurs de Dieu sur qui vous entendez beaucoup de scandales, je l'ai toujours dit, rappelez-vous, hein, lorsque je prêchais par rapport à ça, je parlais de l'ordre dans le prophétique. Je disais que les hommes de Dieu que vous entendez des scandales sur eux, c'est parce qu'à la base, ce n'étaient pas de bons chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens qui suivaient ce qu'on leur demandait de faire, qui suivaient les principes bibliques. C'était les gens qui se battaient avec eux-mêmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'il y a un combat. Dis à ton voisin, il y a un combat. Le combat, il est entre qui et qui? Il est entre toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de... J'ai besoin d'un gars pour venir. J'ai besoin d'un gars. Bon, viens. Tu es célibataire, hein? Ok. Tu réponds pas? Mets-toi en face de moi. Et on va dire que là, c'est moi demain. Et ici, c'est moi aujourd'hui. Et le Seigneur veut m'amener à devenir cela. Mais je suis en train de me battre avec moi-même. Tiens-moi les bras. Et donc, le Seigneur veut m'amener vers lui. Mais je ne veux pas perdre de mon mauvais caractère. Je veux que les gens de ma famille changent, mais pas moi d'abord. Je veux que ma mère change, mais pas moi d'abord. Je veux que mes frères et sœurs changent, mais pas moi d'abord. Je veux que mon petit cousin qui soi-disant est dans la rue et dans la drogue, qu'il sorte, que Jésus lui touche. Mais moi, je ne veux pas arrêter la masturbation. Ça va? Je peux avancer? Je dis que la tante Vertez ou je ne sais pas, donnez-moi un nom, ou Huguette doit arrêter la sorcellerie, mais je ne vois pas la jalousie qui est dans mon cœur pour mes prochains. Donc en fait, quand j'écoute même un message le dimanche, alors même que je suis en train d'entendre moi d'abord, je pense à mon voisin à côté de moi. Même quand je dis amen à l'église, ce n'est pas pour moi, c'est pour le voisin à côté de moi. Quand le pasteur dit « Sors dans le péché », je ne vois pas mon péché, mais je vois le péché de la sœur Huguette. Et je dis « Amen !» Mais ce n'est pas un « Amen » pour Jean, « Amen hein? », c'est « Amen !» Huguette, tout seul. Je peux pousser ou pas? Tiens-moi bien. Je reçois des révélations et des rêves que les églises sont mauvaises, mais pas mon cœur. Le Seigneur me révèle que les églises ont beaucoup de problèmes, hein, mais il ne révèle pas que mon cœur a beaucoup de problèmes. Le Seigneur me révèle que beaucoup de serviteurs ont abandonné sa main, mais il ne me révèle pas que j'ai un mauvais cœur. Je peux pousser? Le Seigneur me dit de changer. Et toutes les paroles que je reçois personnellement pour moi, je les prends pour aller exhorter les autres. Au lieu de les appliquer pour moi-même. Et vous savez, je vais vous dire une chose, hein, y a même des serviteurs de Dieu qui font ça. Des réprimandes qu'ils donnent aux autres, ce sont des réprimandes que Dieu veut leur donner à eux, pas aux autres. Mais ils les prennent pour aller apporter ça aux autres. Ce matin, j'aimerais te dire qu'avant de chercher à gagner les autres, cherche à être gagné toi-même avant. En fait, ça vous parle de quelque chose. Je te remercie, Josué. Ça vous dit une chose très forte. Est-ce que Pierre n'était pas sauvé? Pierre était sauvé. Mais est-ce que Pierre était converti? Pierre n'était pas converti. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre le salut et la conversion. Le salut, c'est accepter Jésus comme sauveur. La conversion, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Le sauveur, tu es heureux parce qu'il m'a sauvé, mais tu ne l'obéis pas. Tu dis, tu m'as juste sauvé. Mais lorsque tu fais de ton sauveur, ton Seigneur, tu prends la décision de l'obéir.
En fait, en réalité, j'aimerais faire naître dans ton cœur la soif d'obéir à Dieu quoi qu'il en coûte et la soif de suivre Dieu quoi qu'il en coûte. Parce que la Bible va m'enseigner. Pierre va dire, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à aller en prison pour toi. Mais lorsque Jésus sera attrapé, Pierre va continuer à suivre Jésus. Mais tout en le suivant, il le reniera. Il y a des gens, alors que l'église est en train d'être persécutée, alors que les gens parlent mal des pasteurs, ils continuent à suivre sur YouTube, hein, mais quand ils entendent parler de l'église, ils font comme s'ils n'étaient pas là. Tu entends qu'on critique les chrétiens, tu fais comme si vous n'êtes pas chrétien. Je ne connais pas. Hein? Pierre, c'est quoi? Un Max Savon? Non. Il y a des gens, laisse-moi te dire une chose. Ils parlent beaucoup qu'ils aiment Dieu, mais lorsqu'on traverse le feu, ils ne sont plus là. Et j'aimerais te dire une chose. Le temps est en train de nous amener à une période où Dieu va nous pousser dans le feu pour voir qui est-ce que nous sommes réellement. Et ce serait dommage de prêcher l'évangile aux autres alors que toi-même tu as besoin qu'on te prêche l'évangile. Ce serait dommage de vouloir tout le temps évangéliser les autres alors que toi tu as besoin d'abord d'être évangélisé. J'aimerais te dire une chose. En dehors du péché là, ton caractère, tu dois le laisser en 2021. J'ai dit ton caractère là, tu dois le laisser en 2021. Ah, je sens que là j'ai bien touché. J'ai dit ton caractère, tu dois le laisser en 2021. Ton truc de c'est comme ça que je parle, ça doit rester en 2021. Comment veux-tu que les gens acceptent Jésus, leur croient mal par les mouns qu'on a? Ça doit rester en 2021. Ta manière de toujours critiquer les gens, ça doit rester en 2021. Ta manière de toujours voir le mal sur les autres, ça doit rester en 2021. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu es un vrai chrétien? Les autres ne sont pas ceci. Les autres, les serviteurs de Dieu, les églises, les tels, les ci, les ça. Mais et toi d'abord? Est-ce que si on prenait un tribunal maintenant et qu'on prenait toute ta vie, on la mettait sur écran plat et que tout le monde la regardait, est-ce que tu serais fier de ta vie? Est-ce que tu... Écoutez-moi bien. Des fois, vous rigolez de gens qu'on a exposés, c'est juste parce que vos péchés n'ont jamais été exposés. En fait, des fois, vous faites les mêmes péchés que les autres, c'est juste qu'ils ne sont pas exposés. Moi, d'abord. Seigneur, tu dois changer quelqu'un? Moi, d'abord. Seigneur, tu dois évangéliser quelqu'un. Moi, d'abord. Écoute, je l'ai toujours dit. J'ai dit, je n'ai aucun problème à laisser les gens servir Dieu et à les envoyer. Mais ma grande question à chaque fois, c'est est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que quand on va t'envoyer ouvrir une église, tu ne vas pas aller voler l'argent? Est-ce qu'en tant qu'homme, quand on va t'envoyer ouvrir une église, tu ne vas pas aller draguer les sœurs qui sont dans l'église? Est-ce qu'en tant que femme, quand on va t'envoyer une église, tu ne voudras pas dominer sur les gens qui sont dans l'église? Les manipuler, prendre le pied sur eux. Est-ce que tu es sûr que là aujourd'hui, si le Seigneur vient soupeser ton cœur, il est sûr de te trouver réellement chrétien? Pourquoi je dis cela? Parce qu'on veut accomplir de grandes choses, mais on ne s'assure pas que de grandes choses sont accomplies d'abord à l'intérieur de nous. Ta mission à toi, c'est de gagner le monde. La mission de Dieu, c'est de te gagner toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, soit le changement que tu veux voir. Je sens que je dois dire ça à quelqu'un. Tu veux que le père de tes enfants accepte Jésus, mais tu continues à te compromettre avec lui. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Tu lui parles de Jésus, de qu'il doit l'accepter, mais il voit que toi, malgré que tu l'as accepté, tu continues à vivre la même vie que lui. Ça ne change rien pour lui. Les gens, laissez-moi vous dire une chose, ils respectent vos choix et vos convictions fermes. Écoutez, je peux vous raconter une histoire? Histoire. Le jour réellement où j'ai décidé d'accepter Jésus, ça remonte à 10 ans, plus de 10 ans en arrière. Et à cette époque-là, j'avais une copine et on était dans la chambre et on s'apprêtait à faire quelque chose ensemble. Vous voyez de quoi je parle? Et à un moment où on s'apprête, on arrive au summum de la chose, tu vois ou pas? Ok. Je tourne ma tête à gauche et je vois une Bible au sol. Quand j'ai vu la Bible, j'ai compris. Je n'ai pas eu besoin de plus de messages que ça. Toi aussi, tu avais besoin qu'un ange apparaisse et te dise « Arrête. Arrête-toi tout de suite. » Non. Quand j'ai vu la Bible, en plus, tu sais, avant la Bible, c'est marqué la Sainte Bible. C'est que ça t'appelle la sainteté. Tu vois ou pas? Tu es obligé d'arrêter.
Et ce jour-là, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté. Je dis, rabis-toi, c'est mort, c'est fini. Je sens que le Seigneur me parle. Je dois arrêter ça. J'ai rompu avec elle. Je l'ai revue 6 ans en arrière, après. 6 ans après cet événement. 6 ans après. On est retourné en contact. Et elle m'a dit, j'aimerais que tu m'invites à l'église. Je l'ai invitée à l'église et tout. Elle m'a dit, tu sais ce qui m'a le plus marqué? C'est que quand tu as pris la décision d'arrêter, tu as réellement arrêté. Et tu as été à fond. Elle m'a dit, j'ai pas compris. Je t'ai vu changer du jour au lendemain. Et donc c'est ce changement. Vous savez, des fois les gens, ce qu'ils attendent, c'est de voir le temps que vous durez dans votre changement. Et il y a des gens, ils disent, c'est bien, tu as changé. Mais on va voir combien de temps tu vas durer dans ça là. C'est bien, Dieu est bon. Mais on va voir combien de temps tu vas durer là-dedans. La marche avec Christ n'est pas qui sera le plus rapide, c'est qui va durer le plus longtemps. Oui, la Bible dit ceux qui auront résisté jusqu'à la fin, ceux qui auront tenu ferme jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois t'assurer d'être toi-même touché d'abord. Dis à ton voisin, moi d'abord. Et donc j'aimerais dire à Pierre ceci en résumé. Dis à ton voisin, tu peux vivre des miracles. Dis-lui, tu peux tout quitter pour Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Pierre a réellement tout quitté. Ça veut dire qu'il n'est plus le même. Mais Jésus lui dit que tu n'es toujours pas converti. Vous savez, la conversion de Pierre, ce n'était pas le péché. Hein? La conversion de Pierre, c'était quoi? C'était le fait que ce n'était pas quelqu'un de stable. Pierre n'était pas quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de paroles, mais qui était peu présent dans les faits. Au moment de la croix, sur tous les disciples, il n'y en a qu'un seul qui est là. Son nom, c'est Jean. Pierre est là, mais en reniant Jésus. Ça veut dire que Pierre, son problème à lui, c'était quoi? C'était qu'il n'était pas stable. Jésus savait qu'au moment du problème là, tu vas fuir. Et la Bible va le dire, hein? La Bible va dire, Jésus va lui dire que tu me renieras 3 fois et le coq chantera. Et la Bible vous explique ça. C'est, quand je relis ce passage-là à chaque fois, ça me fait froid dans le dos. La Bible va expliquer que quand le coq chanta, la Bible dit que Pierre était tout près. On dit qu'on a attrapé Jésus. Reprenez avec moi, on a attrapé Jésus. Pierre a suivi là où on a attrapé Jésus. L'endroit où on a gardé Jésus, Pierre s'est assis au loin, il a regardé. Et la Bible explique qu'une femme va dire, oui, toi, on te connaît. Un homme va dire, on te connaît. Pierre va renier 3 fois. Et la troisième fois, quand le coq va chanter, la Bible dit, le Seigneur se tourna vers lui. Et la Bible va dire que Jésus le regarda dans les yeux. Juste après que le coq ait chanté 3 fois. Pour lui dire, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Et des fois, à certains moments de ta vie, tu proclames beaucoup de choses. Mais à un moment, le Seigneur se retourne. Il te dit, mais où étais-tu? Où était tout ce que tu m'avais dit? Et j'aimerais vous dire une chose, j'aimerais parler à quelqu'un. Est-ce que dans ma marche avec Dieu, j'ai été le plus parfait? Non, j'ai chuté beaucoup de fois. Je n'ai pas dit que j'ai couché. C'est pas, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai chuté beaucoup de fois. J'ai mal fait beaucoup de fois. J'étais quelqu'un à l'église. On ne pouvait pas compter sur moi. Je n'allais pas jusqu'au bout des choses. Vraiment, j'étais un Pierre. Mais il y a une chose qu'on n'a jamais pu m'enlever. C'est ma rage de servir Dieu. J'ai compris. Tu veux que je te donne le secret ou pas? Dans la marche avec Dieu, tu dois juste tenir bon. Tu dois juste t'accrocher le plus fermement possible. C'est celui qui tient le plus ferme qui va durer le plus longtemps. J'ai besoin de quelqu'un pour montrer ça à une personne. Quelqu'un pour l'exemple? Un gars. J'ai besoin d'un gars. Viens, Didier, viens. C'est comme si le Seigneur est là et toi je te dis tiens ferme, tiens-moi. Et là, tu passes dans les moments difficiles. Tu vois, tu ne me tiens pas comme il faut. Non, tu peux me tenir comme tu veux. Voilà. C'est ça, tenir ferme, pas casser bras. Ça veut dire quoi?
ça barde, ça bouge, mais toi tu tiens ferme. Les choses sont difficiles, mais tu décides de tenir ferme. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça veut dire qu'on te bouscule, le Seigneur t'amène dans tous les sens, mais tu décides de... Ok, même s'il a accroupi, même s'il est plus bas que terre, il décide de... Tu es tombé, mais décide de... Tenir ferme, ça veut dire quoi? Je suis tombé, mais quand même l'église dimanche quand même. Pourquoi faire Satan honte? Non, je t'assure, parce que Satan, quand tu tombes, il attend que tu ne viennes pas à l'église le dimanche. Je crois qu'il y en a quand même. Ou quand pleurer, ça va faire mal, mais on l'a quand même. Tu viens quand même à la prière. Tu dis, cette histoire de culpabilité, je m'en fous. Je ne veux rien savoir. Je suis là quand même. Ce n'est pas grave. J'ai ma place en tant que... Même si dans ma situation, on pourrait m'appeler pécheur. C'est là que je dois être. Ça ne change pas. Quand je te dis tenir, c'est, laisse-moi te tenir. C'est tenir comme ça. Tu tiens Dieu, tu ne l'abandonnes pas. Il bouge, tu dis, Seigneur, toi où tu vas, j'y vais. Tu es à terre, je tiens le Seigneur quand même. Tu es plus bas que terre, je tiens quand même. C'est celui qui tient le plus fort, celui qui ne va pas lâcher. Ça veut dire que j'aimerais te dire une chose. Peu importe ce qui se passe, n'arrête jamais de venir à l'église. C'est le premier conseil que je te donne. Je t'assure, le plus grand, écoute-moi bien. C'est pas, je ne vais pas te dire, lis ta Bible. Parce que quand tu es seul chez toi, tu ne lis pas ta Bible. C'est pas ça que je vais te dire. Viens à l'église. Si tu viens à l'église, je t'assure, tu entendras une parole qui te relèvera. N'abandonne pas. C'est compliqué, c'est difficile. Mais je t'assure, hein, la seule différence avec tous les gens avec qui j'ai accepté Jésus, le jour où j'ai dit, je vais accepter Jésus, là, la seule différence entre eux et moi, c'est que vraiment, hein, je t'assure, hein, crois-moi, jamais je n'ai abandonné. Et les fois où je me sentais minable, incapable, je retombais tout le temps dans la masturbation, tout le temps, tout le temps. J'ai dit, mais attends, on va comprendre. Tu sais, tu arrives à un point où tu te dis, bon, peut-être que je ne vais jamais te délivrer, quoi. Non, c'est le point où tu dis que c'est comme ça. C'est là. Tout le temps, je tombe. Je suis retombé, en cours de route, je suis retombé à fumer. Je suis retombé à boire. Je suis retombé à injurier. Je ne me suis pas battu, mais j'ai failli plein de fois. Plein de fois. J'ai échoué plein de fois. J'ai failli, j'étais à deux doigts, crois-moi, deux doigts des fois de coucher avant le mariage, deux doigts chaque fois. Quand tu comprends, c'est quoi deux doigts? Ok. J'étais à deux doigts. Mais je n'ai jamais arrêté d'aller à l'église. Et vous savez là où le diable vous ment, c'est que quand vous faites ça, il vous dit, tu es hypocrite. Parce que tu es hypocrite, tu pêches, tu vas quand même à l'église. Et alors, on s'en fout. Parce que Dieu ne te fermera jamais la porte parce que tu as péché. Je continuerai à venir. Parce qu'un jour ou l'autre, là, je vais te tenir bon et je vais te tenir le plus ferme possible. Là où je vous... Croyez-moi, hein, le Seigneur m'a délivré de certaines choses 7 ans après ma vie chrétienne. 7 ans après. C'est que lutte. Je connais des gens qui ont abandonné parce qu'ils se sont dit, c'est comme ça et c'est comme ça, ça ne changera pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je t'assure, et gloire soit rendue à Dieu, j'étais délivré de beaucoup de choses. Je vous donne un exemple simple. Il y avait des choses qui me suivaient tout le temps. Tout le temps, j'avais des combats. En fait, c'est parce que des fois, vous pensez que vos combats, c'est vous seul qui avez des combats. Il y avait des choses qui me suivaient tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'étais responsable des jeunes. Je faisais des baptêmes, suivi de baptêmes, beaucoup de choses. Je prêchais tous les... J'avais des combats tout le temps. Mais je n'ai jamais abandonné. Jusqu'au jour où, quand le Seigneur a affermi mes pieds, je ne suis plus jamais retombé. Est-ce que je dois avancer encore? Oui, mais je ne suis plus jamais retombé. Ça veut dire quoi? Tu dois résister. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas de te dire que tu es mauvais, ce n'est pas ça que je suis venu te dire. Je suis venu te dire, d'abord, cherche à être converti toi-même. Mais s'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne pourras jamais être converti si à chaque fois que tu fais une erreur, tu recules en arrière, tu fais 10 pas en arrière, tu abandonnes, tu baisses les bras. Oh, je suis... Non, je t'assure, il y a beaucoup de pasteurs, c'est parce qu'ils ne te disent pas des fois les erreurs qu'ils ont fait, que tu crois qu'ils sont parfaits. Ce n'est pas vrai, les pasteurs sont des hommes comme toi et moi. La seule chose, c'est que le pasteur a eu des automatismes qu'il connaît. Par exemple, quand une femme passe, on ne regarde pas une deuxième fois. Ouah, vrai, encore bien, vrai encore. C'est des choses simples comme ça. Est-ce qu'on est des hommes comme vous? Oui, on est des hommes comme vous. Est-ce qu'on est plus parfait que vous? Non! On a autant de péchés. Des fois, je me lève, je n'ai pas envie de prier. Des fois, quand tu me parles même de Dieu, ça va être grimace, mais qu'en fais-moi?
Je suis à l'église tout le temps, tu viens encore me parler de Dieu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des matins où je me lève, je n'ai pas envie. Mais j'ai compris une chose, c'est de tenir ferme. Pourquoi? J'ai dit, Seigneur, je disais tout le temps à Dieu, j'avais cette prière, je disais, Seigneur, je sais, j'ai conscience que le jour où toutes ces choses auront lâché prise sur moi, je serai inarrêtable. En fait, tu es à ça de devenir inarrêtable. Mais quand je te dis inarrêtable, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point tu es fort. Le diable, il sait ça. Hein? Il te donne un petit péché qui te tracasse. Et tu es à ça de devenir inarrêtable. Si jamais tu remportes cette petite bataille, tu deviendras inarrêtable. Des fois, c'est un manque d'estime en toi-même. Tu deviendras inarrêtable. Et le diable le sait. C'est la raison pour laquelle il veut t'empêcher d'avancer. Mais cette année, je te vois fort. Et avec moi, d'abord. Moi, d'abord. Dis à ton voisin, toi, d'abord. Dis-lui, toi, d'abord. Retourne-toi vers le voisin de derrière, là, qui ne veut pas te regarder. Mais s'ils sont tous cartoonés, ils sont... Oh. Dis-lui, voisin, toi, d'abord. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois que cette année, parce que tu es réellement d'abord fort, tu permettras aux autres de devenir forts. Je suis obligé de donner ce message-là. Pourquoi? Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Nous sommes dans une saison où l'Église va s'étendre, va ouvrir ses ailes, où l'Église va élargir sa tente. Et donc, si l'Église élargit sa tente, si l'Église ouvre ses ailes, cela veut dire que l'Église aura besoin de plus en plus d'ouvriers. Oui, parce qu'à un certain niveau, par exemple, je ne pourrais pas voir tout le monde. Vous imaginez, déjà aujourd'hui, c'est déjà dur. Ça veut dire que Dieu va susciter de plus en plus de serviteurs et de servantes dans la maison. Sauf qu'il veut s'assurer que les serviteurs et les servantes soient convertis afin de pouvoir affermir les autres. On ne peut pas vouloir tenir la main aux autres si soi-même on a besoin de quelqu'un. On ne peut pas être aveugle et vouloir conduire en aveugle. Mais cette année, le Seigneur t'a fermé. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le monde, vous avez vaincu le malin et parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et je crois qu'à partir de ce message, ce que tu vas t'assurer, c'est toi d'abord d'être réellement chrétien. C'est simple. Cette semaine-ci, voici ce qu'on va faire. Le jeûne commence demain. Est-ce qu'on est ensemble? Toute cette première semaine, on va beaucoup prier sur ce thème-là, ça. Moi d'abord. On va venir mourir à nous-mêmes ici. On va venir abandonner les choses qui nous empêchent d'avancer ici, là. On va laisser ça cette semaine-ci. Parce que le Seigneur veut t'amener à un autre niveau, mais il veut s'assurer que toi d'abord, tu as déjà abandonné beaucoup de choses. Et quand tu auras abandonné toutes ces choses, crois-moi, tu seras inarrêtable.